Merci de choisir Vélingratan pour vous informer. C'est l'heure de votre principale édition d'information dont voici ses titres. Drame à Yerowalo, une voiture 4x4 heurte mortellement une Fiat ce mercredi sur la route nationale numéro 6. Lutte contre toute forme de violence, un comité de lutte contre les violences a été mis sur pied ce mercredi à la mairie de Vélingara. BAC 2017, le CS renonce au boycott mais en grève dès ce jeudi. L'abbé bilan des accidents le jour et le lendemain de la fête du Ramadan. Les acteurs de la filière Anakat de Ziguinchor sont inquiets car pour eux, ils ne bénéficient d'aucun accompagnement, comme c'était le cas pour le programme d'appui au développement économique de la Casamance PADEC. L'invité de la rédaction mettra un terme à ce journal qui démarre à l'instant juste après ce qui suit. En compagnie de Elhadj Momodou Diallo à la cabine technique, mesdames et messieurs, merci encore une fois pour cette marque de confiance renouvelée à la radio qui fédère les énergies. Bonjour et bienvenue dans cette grande édition d'information que nous ouvrons par cette triste nouvelle. Drame à Yerowalo, une voiture 4x4 heurte mortellement une Fiat ce mercredi sur la route nationale numéro 6. Village jouxtant la route nationale numéro 6, située à 2 km de Vélingara, a perdu une de ses progénitures ce mercredi par suite d'un accident. La victime aurait entre 4 et 5 ans d'âge, voulant traverser la route. Selon des témoins, elle a heurté de plein fouet dans sa course par un véhicule de l'administration relevant de l'inspection régionale de la jeunesse de Tamba. Non loin des lieux se trouvait un véhicule de transport public au stationnement irrégulier, selon notre source, qui aurait poussé la 4x4 à opérer un dédoublement fatal. À la Fiat, alertés, les Pandores de Vélingara se sont déportés sur les lieux pour les constats d'usage. La fille a été enterrée dans son village natal. Dans cette taxe, il est fréquent de noter des accidents pareils. Lutte contre toute forme de violence, un comité de lutte contre les violences a été mis sur pied ce mercredi à la mairie de Vélingara. C'était au cours d'une rencontre tenue en présence des membres du CDPE, Comité départemental de protection de l'enfant et d'autres acteurs qui interviennent dans la promotion des droits humains. Écoutons Amadou Dieye Sow, le coordinateur de la radio, au micro de Babacar Diouf. Nous sommes aujourd'hui ici à la mairie de Vélingara pour porter un comité de lutte contre les violences. Est-ce que le micro est À l'instant, Amadou Dieye Sow, je rappelle qu'il sera l'invité de la rédaction en fin d'édition. BAC 2017, le CS renonce au boycott, mais en grève dès ce jeudi. Le syndicat autonome des enseignants du supérieur, CS, va enfin participer à l'examen du baccalauréat 2017 qui démarre ce 4 juillet. Sur toute l'étendue du territoire national, les enseignants du supérieur avaient menacé de boycotter le BAC suite au non-respect des engagements pris par le gouvernement. Selon Moustapha Sall, secrétaire général adjoint, je cite, les choses n'avancent pas. Le début des négociations n'était pas satisfait, du moins n'est pas satisfait. On attend la réaction des autorités compétentes pour prendre une décision. Pour l'instant, nous allons participer à l'examen du baccalauréat, mais nous allons en grève à partir de ce jeudi. Fin de citation, a déclaré Moustapha Sall, secrétaire adjoint au niveau du CS. La fiabilité et l'équilibre des infos, c'est le credo de l'AFSF. Direction Guinée, en précisément l'abbé, bilan des accidents le jour et le lendemain de la fête du Ramadan. Cette année, dans la ville de l'abbé, plus de 10 accidents de circulation ont été enregistrés en moins de 48 heures le jour et le lendemain de la fête de l'Eid el-Fitr, marquant la fin du mois de Ramadan. Daoudia nous dit plus.
Le commandant Tidiane Sanou, le commissariat spécial de la sécurité routière de la Rennes, dresse le bilan. 6 cas d'accident enregistrés pour un cas impliquant une voiture et un motard. À l'hôpital régional de la Rennes, où les victimes ont été directement orientées, le directeur général, Dr. Atomolay Sal, parmi une dizaine de blessés, dont l'un d'entre eux a succombé une jeune fille 4 ans après son évacuation. 6 cas de fractures fermées et des fractures ouvertes qui sont associées à des plaies enregistrées. Il y a également eu 6 cas de lésions complétées bénignes, plus 2 cas de traumatisme crânien qui ont nécessité des mises en observation. Selon le responsable de la sécurité routière de l'année, les accidents sont occasionnés par 4 choses. Premièrement, l'excès de vitesse, le changement de direction sans précaution, manque de maîtrise, mais à la base de tout cela, c'est l'alcool, conclut le commandant Dian San. Toute l'actualité de la Casamance est impartie par Contraste et Josquin Chorat, c'est sur le 1er FM 95.8. Direction Ziguinchor, je vous le disais dans les titres, les acteurs de la filière Anacard de Ziguinchor sont inquiets car pour eux, ils ne bénéficient d'aucun accompagnement, comme c'était le cas avec le programme d'appui au développement économique de la Casamance, PADEC et l'IRD des ONG qui ont terminé leurs activités. Néanmoins, ils espèrent le soutien de l'État pour le développement de leur secteur. Ismaël Djemi, président du cadre régional de concertation des opérateurs de la filière Anacard, est interrogé par Alexis Sagnou. C'est vrai qu'il y a deux ans, particulièrement dans la région naturelle de Casamance, le projet d'appui au développement économique de la Casamance, le PADEC, l'IRD, qui est une ONG américaine, qui a bénéficié d'un financement du gouvernement des États-Unis. Ces deux projets sont terminés. Ces deux projets avaient pour mission d'accompagner la filière Anacard, au niveau du volet production, consommation et conservation. Ces deux projets sont terminés. Cela ne veut pas dire que leur mission est terminée. La mission reste entière. L'Anacard, c'est un produit qui marche. Les prévisions pour 2025 estiment que la demande mondiale de produits Anacard va dépasser largement la production mondiale. Donc, si on se projette vers ces prévisions, je crois qu'il y a lieu pour l'État du Sénégal de prendre avec beaucoup plus de sérieux, avec beaucoup plus d'engagement, avec beaucoup plus de détermination, de façon méthodique, de prendre la filière en charge, d'accompagner les acteurs pour que la filière apporte ce qu'elle a apporté déjà et ce qu'elle est en train d'apporter au pays comme la Côte d'Ivoire, qui est passé de 20 000 tonnes en 1980 à plus de 700 000 tonnes et qui se hisse au rang mondial, premier producteur mondial. Et qui a l'ambition de devenir premier transformateur mondial. La Côte d'Ivoire a presque des exceptions près, les mêmes caractéristiques agro-climatiques que le Sénégal. Place à l'invité de la rédaction, il s'agit de Amadou Dieye Sow, le coordonnateur de la RADO. Prétexte, un comité de lutte contre les violences a été mis sur pied ce mercredi à la mairie de Vélingara. Il s'entretient avec Babacar Diouf. Amadou Dieye Sow, coordonnateur départemental de la RADO, membre du CDPF de Vélingara. Nous sommes aujourd'hui ici à la mairie de Vélingara pour monter un comité de lutte contre les violences. Parce que nous avons constaté que les structures ont été montées pour la protection des enfants. On a pensé qu'il faut que l'environnement de l'enfant soit un environnement protecteur, et cet environnement ne pourra être protecteur que lorsque tout ce qui entoure l'enfant soit aussi dans un environnement avec qu'il soit respectueux des droits humains. C'est pourquoi on a dit qu'on ne s'attaque pas à l'enfant, mais on va aussi aux parents qui sont souvent victimes de violences de la part de voisins ou de la part de structures ou d'organisations, et pourrait qu'on prenne en charge les droits humains. Donc cette structure de la c'est la lutte contre toute forme de violence. Autrement dit, c'est un comité de lutte contre les violences qui font frein au respect des droits humains. C'est pourquoi dans mon propos préliminaire, j'ai essayé de cadrer cela au niveau de la citoyenneté. Parce que quand nous sommes dans un monde sans paix, alors nous tous nous en périssons. C'est pourquoi j'ai convié les participants à un acte citoyen, c'est-à-dire à avoir l'élan de se protéger l'autre. Et cela n'est possible que lorsque les droits humains sont connus, lorsque l'on fait la promotion des droits humains et lorsque nous faisons la vulgarisation des droits humains. Si cela est, chacun saura ses droits et saura également là où commencent les droits de l'autre. Et le respect de cette frontière-là soit créé un environnement protecteur pour l'enfant. C'est pourquoi on est allé d'un cran au plus élevé, c'est pour créer un environnement protecteur. Là, si vous regardez dans la CDE, c'est l'article 8 et l'article 9 qui parle d'un environnement protecteur, d'un environnement de sécurité pour l'enfant. Et cet environnement-là de paix, de sécurité,
maintenant sera dans un environnement protecteur et sera chassé d'une action beaucoup plus claire qu'une organisation qui est là, qui crie, qui protège. Mais si vous ne pas et sensibilisé, il connaît à quoi sert d'avoir un environnement protecteur, lui, il trouve son intérêt, son enfant, il trouve son intérêt, il ne doit pas ne pas aller que dans cet acte-là. Je crois que chacun se visera un soldat comme protecteur des droits humains. Boukane a fait des états probants qui ont servi d'exemple. La communauté de Boukane a été montée il y a 4 ans. Et cette communauté, on l'appelle seulement la communauté de lutte contre les violences aux femmes. Mais, compte tenu des résultats que cette communauté-là a eu dans la réconciliation entre les femmes et les maris, en mettant en avant, nous ne sommes pas venus pour rompre votre mariage. Nous sommes là pour consolider votre mariage. Parce que quand vous êtes vus, vous vous êtes aimés. Et ce qui a fait que l'un a aimé l'autre est toujours là. Une mauvaise gestion de cela. Et nous sommes venus pour vous ramener à cet état-là quand vous êtes venus pour la première fois, pour que vous puissiez vous parler, pour que vous puissiez communiquer, pour que vous puissiez vivre en paix. Finalement, ils ont fait tellement de cas que finalement, c'est les femmes qui venaient voir le comité parce qu'elles ont des problèmes avec le mari. Finalement, c'est les hommes qui viennent voir le comité pour aller amener à la raison de la femme. Et finalement, ils ont même pris en compte d'autres problèmes relatifs au respect des droits humains. Alors, on a dit pourquoi ça a été ainsi fonctionné. Puisqu'on protégeait la femme, on voulait protéger la femme. Maintenant, tout le monde veut être protégé. Mettons des structures de protection des droits humains dans chaque commune. Mettons un observatoire des droits humains dans chaque sous-préfecture et mettons un réseau des droits humains dans le préfet et le président. Le sous-préfet, le président de l'observatoire des droits humains et le président du comité de lutte contre les violences. Donc, ce schéma-là, on va aboutir sur la table du comité départemental de protection des enfants. C'est cette vision holistique de protection de l'être humain que nous avons et que nous voulons réaliser à travers la protection vraiment, le remontage de ces structures. Je vous remercie. J'appelle que vous êtes transformateur de la radio. Et cet entretien met un terme à ce journal, le rappel des titres développés. Drame à Yerowalo, une voiture 4x4 heurte mortellement une fillette ce mercredi sur la route nationale numéro 6. Lutte contre toute forme de violence, un comité de lutte contre les violences a été mis sur pied ce mercredi à la mairie de Velingara. Vous avez suivi les détails dans cette édition. Baccalauréat 2017, le CS renonce au boycott mais en grève dès ce jeudi. En Guinée-Lab, bilan des accidents le jour et le lendemain de la fête du Ramadan. Les acteurs de la filière Anacard de Ziguinchor sont inquiets car pour eux, ils ne bénéficient d'aucun accompagnement comme c'était le cas avec le programme d'appui au développement économique de la Casamance PADEC. L'invité de la rédaction a totalement bouclé cette édition présentée par Momodou Wade avec un grand plaisir. Réalisation d'Aude Diagne, cabine technique Elhadj Momodou Diallo. Merci de l'avoir suivi. L'information continue. Chers auditeurs, votre satisfaction est notre préoccupation. Au revoir. Présenté par Omar Assisté. Merci.